Nous avons souhaité en fait apporter dans le cadre de cette table ronde des témoignages concrets. Donc, vous avez autour de la table un certain nombre d'intervenants. Normalement, vous devez avoir la liste qui s'affiche là sur votre écran si ça fonctionne correctement. Plutôt que de les présenter les uns et les autres, eh ben, on va faire comme il est de coutume de procéder un tour de table en commençant par vous, monsieur l'inspecteur général, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christian Wassenberg, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, correspondant académique de l'Académie de Reims. Oui, Sylvain Bruyère, je suis enseignant d'histoire-géographie en collège, hein, au collège de la Retourne dans les Ardennes, et je suis en même temps chargé de mission à la DAN de Reims. Hélène Dilbert, professeure de sciences de la vie et de la terre dans un collège marnais et aussi formatrice à la DAN de Reims. Bénédicte Fèvre, formatrice à la DAN de Reims et professeure de mathématiques au lycée Libergier à Reims. Francis Charlini, donc inspecteur pédagogique de l'Église académique à la pédagogie à Reims et en charge de différents dossiers, on va dire, interdisciplinaires, dont notamment depuis une année la continuité pédagogique. Éric Ornevert, je suis inspecteur d'éducation nationale pour le premier degré, en charge d'une circonscription du premier degré. Magali Licencié, chargée des relations internationales dans l'Académie de Reims. Et donc, Ali Lassed, délégué académique au numérique pour la région académique Grand Est. Alors, on va peut-être rapidement rentrer dans le vif du sujet. Donc, on vous a concocté toute une série de témoignages, histoire de vous donner peut-être la représentation la plus fidèle possible d'une part, de ce qui s'est passé depuis le début de la crise sanitaire, et puis d'autre part, des mesures qu'on a prises au fil de l'eau pour tirer les enseignements de ce qui s'est passé et de ce qu'on a commencé à faire, et qui nous sert d'ailleurs au moment même où on parle, parce que les événements et les circonstances font qu'on capitalise sur les réflexions qu'on a menées depuis plusieurs mois pour essayer d'adapter notre système aux circonstances exceptionnelles qu'on rencontre. Très rapidement, vous avez dû voir dans le programme le sommaire, mais il va peut-être être plus précis là, tel qu'il est énoncé. Nous allons commencer donc par un retour sur l'expérience de l'an passé qui va être abordé par Monsieur l'inspecteur général, Christian Wassenberg. Ensuite, moi, je vous ferai un petit topo quand même, parce que c'est quand même important de contextualiser la situation dans laquelle on est en Champagne-Ardenne, mais aussi dans le Grand Est, donc en disant quelques mots sur l'écosystème numérique de l'Académie. Ensuite, Éric Ornevert apportera un témoignage sur une action particulière qui a été menée dans le premier degré. Et enfin, il va y avoir un enchaînement de trois témoignages des collègues enseignants ici présents sur la mobilisation des outils présents dans l'écosystème numérique pour assurer justement la continuité pédagogique. Voilà, on va parler hybridation, modalité de formation multimodale, etc. Ça va être abordé de manière très concrète et pragmatique à travers leurs témoignages. Et on a souhaité, et je trouve ça intéressant, pour ne pas rester simplement sur le numérique, mais bien faire le lien avec notre collègue Cardi, Marie Spisano, qui pourra témoigner aussi de manière concrète sur les opportunités qui ont pu être saisies justement pour promouvoir l'innovation et essayer de trouver des solutions nouvelles aux circonstances qu'on rencontre. Alors, très rapidement, je vais enchaîner sur l'écosystème numérique. J'aurais quand même dû préciser, et là je ne suis peut-être pas forcément bon sur ce coup-là, je suppose qu'il y a un chat qui est actif et vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. S'agissant d'une table ronde, je pense qu'on pourra très facilement s'interrompre et puis peut-être interagir avec vous de manière à ce que notre intervention ne soit pas forcément trop descendante. Voilà qui est dit. Donc, s'agissant de l'écosystème numérique de l'Académie de Reims, alors, je vais partager avec vous un schéma qui va m'aider un petit peu à expliquer ou appuyer mon propos.
Alors, il va falloir que je change d'écran. Toc. Là, normalement, vous devriez voir une infographie qui décrit un peu l'organisation de la continuité pédagogique dans l'académie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie, la service numérique, qui vous permettra de comprendre les moyens en fait, dont on dispose pour pouvoir assurer la relation avec les élèves quand ils ne sont pas dans les établissements scolaires. Alors, le temps que l'animation charge, là, vous voyez peut-être les graphismes de manière pas très visible. Vous avez la possibilité quand même, si vous avez un deuxième onglet ouvert, d'afficher l'infographie directement dans votre navigateur. Je vais zoomer et normalement, ça devrait améliorer les choses. Ici. Toc. Alors, le point d'entrée de notre écosystème, et c'est important de le relever, l'ensemble des collèges et des lycées de la région académique Grand Est dispose du même espace numérique de travail qui s'appelle Mon Bureau Numérique. Donc, c'est un ENT comme il y en a d'autres en France. Sa particularité, c'est probablement sa dimension, puisqu'en termes d'accès et d'usage, c'est quasiment le premier ENT de France pour plusieurs raisons, pas simplement parce que il embarque avec lui tous les collèges et les lycées, mais parce qu'on a la particularité d'être dans une région qui a engagé depuis 4 ans maintenant un projet qui s'appelle Lycée 4.0 qui avait pour objectif d'équiper individuellement les lycéens avec des PC portables pour accéder à des ressources numériques en ligne, dans un cadre de confiance sécurisé, on en parle beaucoup, un cadre respectueux du RGPD. Donc les lycéens sont tous équipés, accèdent à leurs ressources ou à leurs manuels numériques directement en ligne, ou ont la possibilité, le cas échéant, de les télécharger. Donc cette particularité-là fait que l'ENT, mon bureau numérique, génère énormément de connexions. On pourra peut-être revenir dans les questions sur la situation actuelle, mais on atteint des pics jamais connus jusqu'à maintenant, puisqu'on doit être quasiment à plus 40% de plus par rapport au pic maximum d'il y a un an lors du premier confinement. Donc cet écosystème donc, a vocation à offrir dans un cadre sécurisé, accessible via l'ENT, à des ressources. Donc vous voyez dans cette partie l'accès au manuel aux ressources numériques. Mais l'ENT lui-même embarque toute une série de fonctionnalités pédagogiques qu'on retrouve dans tous les produits, hein, notamment ce qu'on appelle le travail à faire. Donc, c'est vraiment le point d'entrée pour nous, le cahier de texte qui permet aux enseignants de prescrire le travail. Un module qui s'appelle travail à faire qui permet de déposer et de récupérer des travaux d'élèves. Donc, des échanges entre prof-élèves peuvent passer par ce canal-là. Une messagerie intégrée, des espaces de travail collaboratifs, enfin bref, tous les outils qui permettent aux élèves et aux enseignants de collaborer, d'échanger. Une des pierres angulaires du système, et ça va être l'objet des présentations qui vont venir, c'est la plateforme de cours en ligne Moodle. Alors derrière Moodle, les collègues l'expliqueront certainement, il y a énormément de choses. Quand on dit on utilise Moodle, quelquefois on nous dit oui, mais Moodle, c'est tout le temps Moodle. Mais Moodle permet énormément d'activités différentes, permettent de diversifier les approches avec les élèves. Donc pour nous, c'est extrêmement important, puisque d'une part, les enseignants ont la possibilité de disposer, d'utiliser de ressources numériques acquises sur le marché des éditeurs. Donc clairement, l'établissement scolaire, plutôt la collectivité finance ces ressources-là. Et d'autre part, ils ont la possibilité de créer eux-mêmes leurs ressources. Donc, on a bien une cohabitation entre de la production personnelle et de la consommation, entre guillemets, de ressources déjà existantes sur le marché des éditeurs. Pour compléter cet écosystème, on a la chance d'avoir, depuis le dernier confinement, une plateforme de diffusion vidéo qui s'appelle PeerTube, donc, qui est une solution libre que vous devez probablement connaître aussi parce qu'elle est déployée partout en France.
et elle donne la possibilité aux enseignants de déposer des capsules vidéo, encore une fois, dans un cadre de confiance. Et ensuite, je ne travaillerai pas trop là-dessus, des solutions de classe virtuelle qui permettent aux élèves et aux enseignants de se retrouver pour des relations et des échanges synchrones. Voilà pour l'écosystème déployé dans le second degré. Donc, il est relativement robuste, cohérent, il facilite énormément notre travail d'accompagnement et de formation, puisque du coup, on peut s'adresser de la même manière, on peut identifier des besoins identiques sur l'ensemble du territoire et être plus efficace dans un travail d'accompagnement et de développement des gestes professionnels adaptés au contexte. Pour le premier degré, je n'ai pas d'infographie à vous montrer. Je crois qu'il est admis par tout le monde, notamment suite aux derniers états généraux, que c'est dans le premier degré qu'on a le plus d'efforts à faire pour rattraper les niveaux d'équipement et de services numériques. On doit être entre 40 et 50% d'écoles sur l'ensemble du Grand Est qui disposent d'un espace numérique de travail. Donc, on part vraiment de très loin. On a encore beaucoup de travail pour procéder à un rattrapage et d'équipement et de services numériques. Vous avez également dû entendre parler du plan de relance actuel qui a justement pour vocation de massivement permettre le rattrapage en question. Donc, on compte beaucoup sur ce plan de relance pour faire en sorte que l'ensemble de nos écoles dispose à minima d'un espace numérique de travail, en plus des équipements qui vont être déployés dans les écoles pour permettre vraiment un accès au numérique facilité. Voilà, j'arrête ici la mise en perspective de l'écosystème numérique. Voilà, mais c'était indispensable pour mieux appréhender les interventions qui vont suivre. Alors, je ne sais pas si on peut enchaîner ou s'il y a eu des questions, les collègues, je pense que vous surveillez. Dans ce cas-là, on peut peut-être enchaîner avec Eric, s'il le souhaite. Je vais couper mon partage d'écran. Ali, on ne met pas l'ouverture par M. Wassenberg, peut-être ? J'ai oublié et merci de me rappeler. C'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Merci Magali. Monsieur Wassenberg, toutes mes excuses, bien évidemment, c'est à vous la parole. Merci, cher Ali. Merci de l'invitation. Déjà, je suis ravi évidemment d'être avec vous pour en introduction des témoignages qui vont suivre, partager quelques constats et réflexions issus de notre expérience commune sur l'Académie de Reims l'année dernière, entre avril et juillet. Mi-avril, la rectrice de l'Académie de Reims a souhaité que nous portions la plus grande attention à ce qui était en train de se passer en raison du confinement et de la continuité pédagogique à distance qui démarrait à l'époque. Des pratiques innovantes nous étaient rapportées, dont nous ne connaissions pas les contours ni l'ampleur, mais nous devinions à l'époque qu'il se passait quelque chose, que les personnels, des parents, des élèves étaient en train de faire bouger leurs pratiques usuelles, on va dire, leurs pratiques habituelles devant la nécessité qui faisait loi face à ce qui nous arrivait. Alors, est-ce que nous pouvions en tirer quelque chose ? Quelque part, nous avions l'intuition que oui. Donc, nous avons constitué rapidement un groupe d'une quinzaine de personnes composé d'un certain nombre de personnes que vous allez entendre ou qui sont présentes avec nous, les inspecteurs, des conseillers techniques, notamment conseillers techniques du premier degré, le directeur académique de la pédagogie, le directeur académique du numérique, les personnes en charge de la formation et des professeurs d'INSPE. Alors, donc il s'agissait pour nous de réfléchir à la pérennisation des pratiques innovantes que nous allions éventuellement observer dans les semaines qui suivaient. Donc, repérer, écouter, observer, mettre en mots, ce n'est pas une mince affaire, identifier les obstacles aussi, imaginer les conditions d'un transfert réaliste et construire un accompagnement. Voilà les missions que nous nous étions fixées suite à la demande de Madame la rectrice. Nous avons repéré les endroits intéressants
Nous sommes allés voir, nous avons provoqué des échanges, adressé des questionnaires, non seulement aux enseignants, mais également aux élèves et aux parents, parce que nous souhaitions croiser les regards, parce qu'il était important pour nous de ne pas nous cantonner aux initiateurs des démarches, mais de voir aussi comment elles étaient reçues. Donc, je vais me permettre de partir du point de vue des élèves, exprimé au travers du questionnaire auxquels ils ont été appelés à répondre. Ils ont été plus de 1200 sur les 4000 interrogés à nous répondre. Donc, c'est intéressant de se pencher un peu sur ce qu'ils ont dit. À la question de ce qui leur a le mieux plu pendant cette période, ils répondent de manière quasi unanime trois choses qu'il faut qu'on garde à l'esprit. La première des choses qui leur a bien plu, c'est de pouvoir gérer leur emploi du temps de manière plus autonome qu'en classe. La deuxième chose qui leur a bien plu, c'est de se sentir investi de la confiance des adultes. Et la troisième chose, c'est de pouvoir utiliser l'outil numérique dans une dimension de travail scolaire. Et évidemment, cet élément de travail scolaire est extrêmement important, puisque nous savions que l'outil numérique, ils en maîtrisaient certaines facettes, mais le travail scolaire, pour eux, a été peut-être pour certains un champ de découverte et en tous les cas, heureux. Et on parle bien de travail scolaire parce qu'à une autre question qui leur a été posée, ils répondent massivement à plus de 65% qu'ils ont eu l'impression de travailler au moins autant qu'en temps normal. Et la moitié de ces réponses vont dans un sens même supérieur, puisque 30% des élèves interrogés nous disent, pardon, des élèves qui ont répondu nous disent qu'ils ont le sentiment d'avoir travaillé plus qu'à l'habitude. Côté professeur, nous avons eu 200 réponses environ à plus de 400 questionnaires envoyés. Ce qui nous a semblé très intéressant, c'est de noter les réponses indiquant un rapport différent aux élèves, voire l'étonnement de certains face à la réaction de leurs élèves. 75% des professeurs ont perçu certains de leurs élèves, comme étant davantage investis, au-delà d'une moyenne habituelle. Et lorsqu'on leur a posé la question, mais finalement, ça représente combien d'élèves que vous avez repérés comme étant plus investis, on était proche des 20%. Des élèves qui se révèlent parce que la pression est moindre, hein, c'est ce que les élèves nous ont dit à d'autres occasions du questionnaire, ils ne sont pas notés comme d'habitude, ils n'ont pas le regard aussi des autres élèves de la classe, et puis ils ont le sentiment d'avoir davantage prise, d'avoir davantage la main sur ce qui se passe et la confiance de l'adulte. Les enseignants ont témoigné de solidarité entre élèves qu'ils n'auraient jamais imaginé. Une bonne moitié des professeurs interrogés sont lancés aussi dans les démarches nouvelles pour eux. Et c'est très intéressant de voir que pour certains, ils exprimaient leur propre étonnement face à cette démarche innovante de leur part, évidemment induite fortement par une utilisation inédite pour eux de l'outil numérique. Une majorité d'enseignants ont bénéficié d'aides à l'intérieur de l'établissement. Des témoignages poignants nous ont été livrés de cette collaboration à l'interne, là aussi qui dépassait l'imagination pour certains. Les personnes qui n'avaient jamais utilisé le numérique, voire développé une hostilité, se sont lancées avec conviction, finalement, grâce à l'appui de leurs collègues. Un degré de solidarité inégalé à certains endroits a été observé. Ceci est dû à l'attention plus grande, évidemment, que chacun portait à l'autre dans cette période, mais également au climat de co-construction et de modalités de collaboration plus verticales, y compris avec la hiérarchie, qui s'était installée dans ces périodes-là. Nous avons souvent entendu que la distance avait créé de la proximité. Les gestes professionnels ont été teintés davantage d'empathie et de bienveillance. Tout simplement parce qu'on avait besoin d'expliciter davantage. Nous avons assisté à des constructions de capsules vidéo destinées à des élèves qui, au moment où ils réabordaient un exercice, avaient l'occasion d'accéder directement à l'explicitation de leur professeur et, bien entendu, sans parler des parents qui, bien sûr, pas forcément pour les lycéens, mais pour les élèves plus jeunes, étaient à leur côté. Ces gestes professionnels ont été teintés aussi d'une réflexion sur la motivation
des élèves, et puis sur le moyen de donner à l'élève davantage d'emprise sur l'organisation et la planification du temps, de leur temps. Et puis, bien entendu, un sujet énormément répandu dans les classes, c'est celui de l'évaluation et de la valorisation. Eh bien, cette période a permis aux professeurs aussi d'envisager peut-être d'autres modalités de valoriser, d'évaluer le travail de leurs élèves. Bien sûr, des difficultés sont apparues et il nous était aussi très important de pouvoir repérer les difficultés. La première d'entre elles, vous le savez tous, était liée à l'inégalité d'accès au numérique. Et des trésors d'imagination ont été développés à ce moment-là pour essayer de combler ce fossé, mais il ne l'a pas été, bien sûr, entièrement. Nous avons observé que des élèves étaient à la peine. Nous avons observé une démotivation, notamment après les vacances de printemps. Le constat aussi que les notions nouvelles sont difficiles à faire passer en distanciel avec un certain nombre d'élèves. L'incertitude de la durée du confinement a fait que les enseignants ont très longtemps travaillé la consolidation des notions déjà présentées. Et lorsque il est apparu que ça se prolongeait, il a fallu évidemment aborder des notions nouvelles et la difficulté est apparue à nombre d'enseignants de ce point de vue-là. Nous avons aussi observé un essoufflement chez les enseignants. Certains sont devenus totalement invisibles. Ceci en fonction d'un effet loupe qui n'a fait qu'amplifier les difficultés de travail d'équipe, de cohésion constatées en temps normal. Et là, l'effet de contraste a été quand même assez fort. Donc, il ne faut pas se cacher ces difficultés. Elles existaient, elles existent sans doute toujours, peut-être elles sont en train de se résorber à certains égards. Côté prospective et transférabilité, évidemment, ce qui nous intéressait, c'est de se dire, bon, à partir de ce que nous avions observé de positif, finalement, qu'est-ce qui était transférable? Parce que nous espérions tous revenir le plus vite possible en des situations plus normales. 90% des enseignants nous ont dit vouloir continuer un certain nombre de pratiques qu'ils avaient découvertes, qu'ils ne s'imaginaient pas d'ailleurs pouvoir mettre en œuvre un jour. 90% des enseignants nous ont dit ça à l'époque. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris que c'était une façon de maintenir le lien de confiance avec les élèves et les parents, voire de l'accentuer, d'associer davantage les élèves à l'évaluation de leurs travaux et à leurs travaux de manière générale et en utilisant une palette plus large de procédés d'évaluation et d'appréciation positive. Ils ont vu aussi que ce qu'ils avaient mis en œuvre parfois de manière balbutiante, privilégier des techniques et des pratiques motivantes. Ils ont eu, vous allez l'entendre, ils ont fait appel à des défis, ils ont fait des sondages sur les connaissances acquises pour démarrer leurs cours, ils ont pratiqué la classe inversée, ils ont eu recours au Moodle, ça a été évoqué tout à l'heure. Ils ont aussi utilisé beaucoup de pratiques qui leur permettaient de différencier la gestion de supports pédagogiques et surtout de donner davantage d'autonomie. Vous allez me dire, ils n'avaient pas trop le choix, mais néanmoins, ils ont fait des constats aussi que si on laissait un tout petit peu de marge à l'élève pour gérer son temps, la plupart d'entre eux savaient l'utiliser à bon escient. Donc, et maintenant ? Alors donc, il nous a fallu, après cela, se dire, c'est bien beau d'avoir récolté toutes ces observations, d'avoir fait tous ces efforts d'observation donc, et d'échange. Donc, nous avons essayé de constituer une feuille de route pour l'Académie et notamment pour les opérateurs de formation. Il s'agissait en tout premier lieu pour nous de maintenir ce climat et ces réflexes d'empathie, de solidarité et de confiance, en agissant principalement sur deux leviers. Un premier levier qui est celui de la logistique et de la méthodologie à promouvoir, c'est-à-dire il nous a semblé bien entendu extrêmement urgent de permettre une amplification raisonnée des usages numériques, parce que beaucoup de personnes étaient prises au dépourvu, bien entendu,
avec l'arrivée de cette pandémie. Et donc là, il nous a semblé que l'Académie a un rôle à jouer pour générer une amplification raisonnée, je dis bien raisonnée, des usages numériques, en rendant par exemple les parcours magistères plus adaptables, privilégier les formations locales aussi en fonction des besoins exprimés, installer durablement les démarches concertées de co-construction de dispositifs, même à l'état embryonnaire ou même lorsque les choses se mettaient en place de manière imparfaite. Mais nous avons tous constaté que c'était de bons moteurs de motivation de personnes, et des personnels se sont révélés à ce moment-là alors qu'on ne les entendait jamais, alors qu'ils avaient du mal à partager la manière dont ils faisaient cours. Le deuxième volet, c'est évidemment le volet des pistes et stratégies pédagogiques à consolider. Donner une place plus importante à l'élève et à son autonomie. Ça apparaissait de manière flagrante. Développer les pratiques motivantes, continuer de rechercher ce qui pouvait accrocher l'élève. Attacher davantage d'importance à l'explicitation des consignes et des attendus. Ça allait de soi aussi. Être plus attentif aux conditions de travail à la maison, parce qu'on était très en rapport avec les familles à ce moment-là. Et peut-être qu'on avait là un certain nombre d'informations dont on se doutait, mais qui étaient là flagrante, à savoir concernant l'inégalité, bien sûr, des conditions de travail à la maison. Et enfin, élargir les modalités d'évaluation et de valorisation du travail de l'élève. Il y avait là un chantier de motivation aussi qui nous a semblé extrêmement important d'inscrire comme priorité dans cette feuille de route. Alors, cette feuille de route qui résume en deux défis, en fait. Le premier, c'est d'arriver à polariser l'attention sur les points pédagogiques que j'ai hiérarchisés ci-dessus. C'est-à-dire d'éviter le piège de vouloir être exhaustif et de se dire si les 5 ou 6 domaines repérés comme essentiels sur l'étayage pédagogique des équipes étaient mis en œuvre, on trouverait les ponts à opérer entre ces différents chantiers, entre ces différents axes, mais n'essayons pas d'élargir au-delà. L'essentiel, nous l'avons vu, est dans ces 5 ou 6 points que j'ai énumérés. Et puis, le deuxième défi, c'était d'accepter de lâcher prise sur certains domaines. Et plus nous étayerons l'accompagnement pédagogique, plus nous pourrons lâcher prise au niveau d'abord de l'initiative et de l'autonomie des élèves, parce que nous avons vu que leur laisser cette marge les motivait davantage, c'est ce qu'ils nous ont répondu en grande partie. Et puis, lâcher prise aussi au niveau des enseignants, leur faire confiance, évidemment, ce qui suppose qu'on leur donne les outils pour qu'ils puissent mettre en œuvre tout cela, et leur faire confiance, ça favorisait ces collaborations plus transversales, plus horizontales, y compris avec l'instance hiérarchique. Donc tout cela nous a semblé extrêmement intéressant de relever, nous l'avons relevé dans un bilan intermédiaire qui est sans doute accessible et qu'on pourra vous rendre accessible, mais je pense là maintenant, j'espère vous avoir mis en appétit pour entendre les différents témoignages qui vont suivre, parce que ma mission que j'ai acceptée volontiers était simplement de faire état de ces quelques réflexions, et je reprends très volontiers la parole à Ali Lassed. Merci beaucoup, M. Wassenberg. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Donc, on doit enchaîner normalement avec le témoignage d'Eric Hornover, qui va nous parler donc d'une action qui a été menée dans le premier degré. Eric, c'est très à bien. Toi. Merci, Ali. J'espère que vous m'entendez bien. Je viens de vous mettre dans le chat un lien qui vous permet d'accéder à la page des défis Facebook qui sont tous regroupés sur le site de l'Académie de Reims, et puis donc je vais tout de suite ouvrir ma présentation. Voilà. Alors, j'espère que ça s'affiche pour vous.
sais pas, est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est bien en... Non, Eric, on ne voit pas ta présentation là, présentement. Non, ça partageait, il faut que tu partages l'application ou un écran externe, ça dépend ce que tu as. Ok, alors attendez, je suis désolé. Hein, pourtant, on a un peu répété, mais je n'ai pas dû répéter suffisamment. Donc... No stress, on a le temps, il faut juste prendre son temps pour réguler. Ah, ça ne marche pas, ça. Si tu veux, je peux prendre le relais. Je veux bien, parce qu'en fait, j'ai, ça, pour Chrome, il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas. Il ne veut pas partager le diaporama, donc je ne sais pas. En tout cas, voilà, désolé pour ce petit inconvénient. Donc, je reviens en fait dans le prolongement de ce qu'a présenté Christian Wassenberg à l'instant. Effectivement, l'an dernier, à cette période où j'étais à l'époque conseiller technique pour le premier degré de la rectrice de l'Académie de Reims, on s'est retrouvé, je reprends le terme, hein, pris au dépourvu. Pour les formateurs et accompagnants des écoles du premier degré de l'académie, finalement, on s'est retrouvé dans une situation d'éloignement puisque chacun était en télétravail à son domicile et les gestes professionnels des formateurs du premier degré et d'accompagnement auprès des classes et des écoles se sont retrouvés totalement bouleversés. Par la situation du confinement. Et donc, j'ai souhaité avec eux créer un groupe hein, qui a pris en charge la production de défis pour les élèves du premier degré, de la maternelle au CM2, des défis quotidiens. Donc, on peut peut-être passer la deuxième diapositive. On a décidé avec l'équipe des formateurs du premier degré, l'équipe académique des formateurs du premier degré, de créer ces défis en ligne sur le réseau social Facebook pour pouvoir avoir une diffusion large et permettre non seulement de redorer le blason du réseau social et de son usage scolaire, parce que ça n'est pas qu'un réseau bourré de risques pour les jeunes, c'est aussi une plateforme qui leur permet de s'exprimer et de faire lien, et on voit bien dans les situations de confinement à quel point c'est important, et puis de faire un réseau avec les familles. Hein, donc, c'était important pour nous de pouvoir investir un réseau social populaire pour que les familles soient en contact familier avec l'école. Hein, il y avait une nécessité de familiarité et c'est pourquoi on a fait le choix de diffuser ces réseaux sur la page Facebook de l'Académie de Reims. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Ça a permis aussi à l'ensemble des conseillers pédagogiques qui étaient en situation d'éloignement, et Christian Wassenberg en a parlé, hein, de refaire communauté autour de ces défis, de pouvoir finalement investir de nouvelles pratiques professionnelles. Hein, ce n'était pas seulement vrai pour les enseignants, c'est vrai aussi pour les formateurs. Donc, créer une vidéo, la monter, être capable d'aller… télécharger telle ou telle application créer ces vidéos. Ça a été un petit défi collectif, on va dire, et ça a permis aussi une montée en compétences. Hein, donc, c'est exactement ce qui a été présenté précédemment. Hein. En fait, on a tiré profit de cette situation un peu particulière
Hein, et du coup, voilà, on a fait communauté autour de ça et communauté avec les écoles et les élèves. On va peut-être passer à la diapo suivante pour que je puisse rester dans les temps. Voilà. Et puis enfin, ces défis, ils avaient aussi un objectif, c'était d'associer finalement les situations scolaires qui étaient proposées aux élèves par les enseignants des classes à une dimension clairement ludique et sympathique hein, pour finalement aussi être dans les questions de motivation et de confiance hein, dont Christian Wassenberg a aussi parlé. Donc, il s'agissait pour nous hein, de mettre les élèves dans une situation d'envie pour ces défis quotidiens et d'associer finalement cette connexion au travail scolaire à distance avec le plaisir. Voilà, donc voilà ce qui nous a amené à mettre en place ce projet. Alors, je pense que j'ai présenté grosso modo l'affaire, hein, on va dire ça comme ça. Et puis, pour rentrer entre guillemets dans le vif du sujet, je me suis dit que ce serait bien de vous présenter au moins un début de défi. Alors, je vais essayer de reprendre la main. Alors, non, il va falloir voilà, que Ali arrête de partager. Je vais essayer de repartager mon écran ce coup-ci, ça devrait fonctionner. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci, c'est bon. Vous voyez la page oui, que bon. J'ai partagée. C'est bon, bon, d'accord. Donc, je vais vous présenter, c'est dans le défi 11. Donc là, vous voyez sur la page de l'Académie de Reims tous les défis qui ont été, rangés, on va dire. Ils sont bien sûr encore accessibles sur Facebook, mais c'était plus simple de passer par la page du rectorat. Et puis, je vais vous passer donc un défi qui était prévu pour les CE1, CE2. Alors, c'est un petit clin d'œil parce que la petite mascotte qui s'appelle John est devenue au fil du temps un personnage qui a acquis une certaine célébrité, on va dire ça comme ça, durant ces défis, à la fois chez les enfants et les adultes. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et donc, c'est un conseiller pédagogique de Cézanne, Richard, qui a concocté ces défis avec sa petite marionnette. Et un défi, alors c'était aussi en lien avec la MLF, un défi qui vise l'apprentissage de l'anglais à l'école primaire. Comment a été accueilli le retour justement à un réseau social justement pour assurer la continuité pédagogique alors que le reste du temps dans l'année on fait la promotion donc du cadre de confiance. Bon, je sais que c'est un sujet qu'on a évoqué ensemble. Hein. Je pose la question, mais en même temps j'ai la réponse. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que. Je l'ai dit dans le court temps de présentation, mais effectivement, quand on a décidé d'utiliser le réseau social Facebook, on avait aussi en tête, ce que ça pouvait représenter en termes de respect de la RGPD, etc., etc. Bon, néanmoins, voilà. C'était aussi l'occasion justement de se dire de quelle façon est-ce qu'on peut investir l'usage d'un réseau social populaire tout en étant précautionneux sur les questions de risque. Donc, si vous regardez la page qui regroupe
les défis sur le site de l'Académie de Reims, il y a un certain nombre de recommandations, il y a des liens qui sont faits pour permettre aussi aux familles d'avoir des informations sur l'usage sécurisé du réseau social Facebook, sachant aussi que les enfants du premier degré ont moins de 13 ans, donc normalement, ils n'ont pas possibilité d'avoir accès à Facebook. Donc, c'était via le Facebook des parents. On a évidemment pris en considération cette dimension. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est bien quand même de pouvoir utiliser aussi un réseau social populaire dans le cadre scolaire. Donc, ça faisait partie de notre enjeu. Eric, il y a aussi une question sur l'organisation de l'activité, sur l'année, sur la période. Comment ça fonctionne dans la temporalité? C'est dans le chat. Oui, alors ça a été justement, j'ai envie de te dire que mon action, elle était concentrée sur… la mise en cohérence des productions des uns et des autres. La dimension de coordination est effectivement très importante dans la question de la communauté, puisque chacun travaille individuellement. Donc, on a construit un planning qui devait répondre aux différents niveaux scolaires et éviter aussi les redondances, c'est-à-dire qu'on ait tous les jours les mêmes entrées, le même type de défis. Donc, les collègues conseillers pédagogiques m'envoyaient leurs productions. Moi, je les regardais, j'échangeais avec eux pour éventuellement faire quelques modifications, revoir le montage, etc. Et puis, au fur et à mesure, on calait en quelque sorte la diffusion des défis dans le temps. Donc, oui, effectivement, ça a demandé un certain effort de coordination. Pour faire en sorte que la diffusion quotidienne soit variée et corresponde à l'ensemble des tranches d'âge du premier degré. Très bien. Écoutez, en tout cas, je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous et puis d'avoir pu présenter cette expérience pour le premier degré. Merci, Eric. On va enchaîner avec… avec Hélène Gilbert, donc pour un témoignage d'utilisation de Moodle en SVT. Hélène, c'est à toi. Oui, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout fonctionne et que vous m'entendez, s'il vous plaît? Très bien, parfait. Alors, c'est impeccable. Donc, c'est parti. Donc, moi, je suis enseignante de SVT et donc, du jour au lendemain, comme tout le monde, on nous a confinés. Donc, on n'a pas eu beaucoup le temps d'anticiper avec nos élèves. Donc, il a fallu faire un choix très rapide, pardon. Et donc, le choix, moi, que j'ai fait, c'est de choisir l'outil Moodle pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais déjà eu quelques formations à Moodle 4-5 ans auparavant. Donc, je ne partais pas de zéro. J'avais quelques compétences dans le domaine. Le second intérêt, Monsieur Lassède l'a dit tout à l'heure, c'est que Moodle est accessible via l'ENT. Donc, du coup, pour les élèves, c'est en un clic, on est arrivé sur un cours et dans ce cours-là, toutes les ressources et toutes les activités à faire sont au même endroit. Donc, c'est pour moi quelque chose d'assez facile à utiliser. Enfin, je croyais. Donc, c'est quelque chose qui respecte aussi, on l'a dit aussi, le RGPD. Donc, pour la sécurité, c'était important. C'était utile aussi pour moi parce que j'ai des élèves qui n'ont pas forcément de PC à la maison. On a prêté un certain nombre de tablettes l'année dernière et on a recommencé la semaine dernière pour au moins 90 élèves. Donc, ça peut se faire sur tablette et ça peut aussi se faire pour une bonne partie des activités sur smartphone. Donc, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Donc, je suis partie sur Moodle et mon organisation était hebdomadaire. Vous avez ici une capture d'écran d'un cours de troisième, mais à la fin du confinement, il y a déjà plusieurs semaines, je travaillais en gros semaine par semaine. C'était assez chronophage, je dois reconnaître, de préparer tout ça. Mais en fait, ce n'est pas inutile puisque j'ai l'occasion maintenant de retaper dans toutes ces sources-là. Alors, pour moi, mon objectif était de poursuivre le travail qui a été mené en classe. Donc, j'avais une vraie continuité à mener dans cette utilisation de Moodle, une continuité à la fois sur les connaissances et le travail que je devais faire, et puis une continuité sur la démarche
que l'on utilise en cours de sciences de la vie et de la terre, à savoir la démarche d'investigation. Alors juste très très vite, hein, on venait avant le confinement de travailler sur des microscopes et j'ai pas eu le temps de leur expliquer ce qu'ils avaient vu. Donc j'ai pris soin de construire moi-même des capsules vidéo pour mettre à disposition des élèves des explications claires et vraiment en rapport avec le cours et en rapport avec ce qu'ils sont en capacité d'entendre, puisque je connais bien mes élèves et je n'avais pas envie d'aller chercher des ressources à droite et à gauche. Je préférais proposer mes propres ressources. Et l'avantage de ces capsules vidéo, M. Wassenberg l'a dit tout à l'heure, c'est que l'élève peut les lire et les relire autant de fois que nécessaire. En plus, il y avait une petite complicité peut-être, puisqu'on reconnaissait la voix de l'enseignant et peut-être que c'était rassurant pour des petits élèves de 6e. Alors ensuite, il s'agissait de faire travailler les élèves, hein, de pas seulement leur offrir un certain nombre de ressources. Donc, on pouvait, au travers de l'usage de Moodle, proposer aux élèves de faire des travaux. Dans ce cas-là, c'était sur leur cahier faire un dessin de ce qu'on avait observé, mais je suis allée un peu plus loin en utilisant l'outil qui s'appelle l'outil feedback, c'est-à-dire en leur proposant le dessin d'un élève qu'ils m'avaient gentiment envoyé par mail et en leur proposant une grille d'évaluation du travail de l'élève. Est-ce qu'il présentait l'avantage pour moi hein, de voir s'ils avaient réussi à s'approprier les différents critères qui sont demandés par les profs de sciences quand on leur fait faire un dessin d'observation. Monsieur Wassenberg l'a dit aussi, on peut recourir à cet outil feedback pour recueillir les conceptions initiales des élèves et aussi leur compréhension. Hein, ce n'est pas une évaluation qui sera suivi de notes, mais ici, ça me donne tout un tas d'idées. Hein. Chaque ligne que vous voyez sur l'écran, ce sont des idées des différents élèves et on peut se rendre compte que certains ont assez rapidement réussi à construire le concept de cellule. Donc, c'est assez rassurant. Et puis, si c'est pas le cas, eh bien, à moi de proposer d'autres activités pour les y amener. Cet écran, c'est juste pour vous montrer que parfois, on n'a pas conscience, puisqu'on est à distance, des idées des élèves. Et ce que j'ai surligné en jaune là sur cet écran montre le grand décalage entre ce que l'élève pense et ce que j'attendais comme réponse. Et du coup, ça me permet d'adapter les productions, enfin disons les autres capsules vidéo que je vais leur proposer après pour prendre en compte ces erreurs et essayer de les amener un petit peu plus loin. Dans Moodle, vous avez des devoirs que l'on peut donner à faire aux élèves sans avoir besoin d'un traitement de texte particulier. Tout se fait à l'intérieur du logiciel, il y a un éditeur de texte en ligne. Et là, j'ai proposé aux élèves de me faire le bilan de l'apprentissage, ce qui me permet encore une fois d'avoir un retour sur ce qu'ils ont compris. Et le retour se fait dans les deux sens, puisque ma correction est lisible par eux, et donc je peux fournir une rétroaction aux élèves et en leur demandant ensuite de recopier ça dans leur cahier. Les différentes activités qui sont proposées dans Moodle permettent aussi aux élèves de s'approprier le vocabulaire. Alors, vous avez à gauche une petite image avec trois mots de vocabulaire à replacer en légende, et puis vous avez quelque chose de plus classique que j'utilise peu finalement, c'est les simples mots croisés à utiliser. D'autres quiz dans Moodle m'ont permis de revenir sur les gestes techniques de l'utilisation du microscope avec des petites questions du genre comment on fait pour passer d'une image floue à une image nette ou comment on fait pour passer à un grossissement supérieur. Donc, c'était vraiment la continuité avec ce qui avait été fait 15 jours avant en classe. Puis, je me suis donné un petit peu la liberté de les laisser manipuler aussi en leur faisant, c'est des sixièmes, hein, en leur faisant pousser, germer des graines de lentilles et puis avec un petit travail de mesure. Donc, on a fait un peu de technique quand même aussi malgré la distance. Tout ça avec un support vidéo pour leur expliquer comment manipuler leurs règles, de où à où on mesure, etc., etc. Ensuite, j'avais d'autres compétences à leur faire travailler et vous avez ici deux captures d'écran qui correspondent à l'activité test dans Moodle. Vous voyez, on est en train d'étudier un graphique et on peut laisser la liberté à l'élève de faire et refaire et refaire encore le graphique. Et ce que vous voyez en arrière-plan, ce sont les différentes tentative qu'a fait une élève qui était très discrète en classe, comme le disait Monsieur Wassenberg, et qui s'est montrée particulièrement studieuse pendant le confinement, beaucoup plus que ce qu'elle pouvait faire en classe. Donc là, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt positif. Pour continuer, je leur proposais des capsules vidéo. Vous avez sur la gauche de votre écran une correction d'un devoir qui avait été donné à des troisièmes, ce qui me permettait d'interpeller les élèves nominativement hein, dans la correction en leur disant bah, « toi, dans telle copie, tel élève, tu m'as écrit ça, on aurait pu faire autrement, etc. » Et puis de la rétroaction, on peut la faire en l'anticipant, puisqu'il y a beaucoup d'erreurs qui reviennent assez régulièrement. Avec les quiz dans Moodle, si l'élève a coché la mauvaise réponse, apparaît automatiquement
un feedback qui lui permet, j'espère, hein, tout seul, d'améliorer un petit peu ses connaissances et sa compréhension. Alors, pour essayer de pallier à la démotivation qui est quand même arrivée avec le temps, j'ai appris à utiliser une autre facette de Moodle qui est très intéressante et qui a bien fonctionné, ce sont les badges. Des badges, c'est un peu comme les images qu'on donnait, qu'on recevait dans le temps quand j'étais à l'école primaire. Donc, l'idée, c'est de dire, vous aurez gagné un badge quand vous aurez fait telle activité. Quand vous aurez fait trois activités, vous gagnerez un autre badge. Et ça, ça a eu des conséquences immédiates avec, vous pouvez regarder sur les échanges que j'ai eus avec mes sixièmes. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le prochain badge? Quand est-ce qu'il y en aura d'autres? Donc, j'ai pu raccrocher un certain nombre d'élèves là-dessus. Donc, pour résumer cette expérience de l'an passé, j'y trouve des points positifs. Il y avait des ressources variées, des activités assez variées, vous en avez vu quelques exemples. Les élèves sont montés en compétences au niveau du numérique. Moi aussi, je suis montée en compétences par rapport à mes apprentissages sur Moodle en suivant des formations en ligne organisées par la DAN. L'énorme avantage de Moodle, c'est un suivi précis des élèves qui se connectent, qui ne se connectent pas. Se connecter, c'est bien. Rendre des activités, c'est encore mieux et tout ça, ça se voit. Et puis, du coup, j'ai pu avancer dans mon programme. Mais on va quand même nuancer un petit peu les propos. Le fait qu'on soit en distanciel à 100% ne m'a pas facilité la tâche et n'a pas facilité la tâche de certains élèves pour qui déposer un devoir dans Moodle, c'est pas inné, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément facile à prendre en main. On a au moins progressé sur ce champ-là cette année, puisque, vous verrez, je m'anticipe un petit peu, mais il faut leur montrer les choses. Donc, c'était difficile. On a aussi des élèves dans mon établissement qui, quand on leur rend un devoir, ne lisent pas les appréciations et surtout ne prennent pas le temps d'approfondir et de refaire. Et ça s'est encore traduit en enseignement à distance. Il n'y avait pas d'amélioration du travail. Et puis, des connexions hétérogènes qui s'estompent au fur et à mesure du temps, mais ça, on l'a dit. Et puis, au retour, au mois de mai-juin, quand on est revenu, je me suis rendu compte que dans les cahiers, on avait une grande variété entre ceux qui ont tout imprimé, ce n'était pas demandé, et puis ceux qui n'ont rien écrit dans le cahier parce qu'ils ne se sont jamais connectés. Alors, en quoi cette expérience du confinement de l'année dernière a fait évoluer mes pratiques cette année? En fait, cette année, je me suis dit, allons-y, on va construire systématiquement des cours Moodle en parallèle de ce qui se passe avec la classe. Donc là, je vous ai mis quelques captures d'écran de cours de 6e et de cours de 3e. Alors, ce Moodle, il est utilisé pour hybrider vraiment le cours. Il y a une partie qui peut me permettre en classe de couper la classe en deux finalement, puisqu'on a la chance de disposer de tablettes et les activités qui sont dans Moodle peuvent donc se faire sur les tablettes dans la classe, pendant qu'une autre partie de la classe, vous le voyez sur la photo, est en train de manipuler avec les microscopes. Donc ça, c'est un premier avantage, c'est-à-dire que ça ne me multiplie pas les différents endroits où je peux donner du travail à faire, c'est dans Moodle, on l'utilise à la maison ou on l'utilise en classe. À la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut permettre à l'élève de réviser, d'apprendre à apprendre, vérifier qu'il connaît les notions. On peut engager certains dans un approfondissement du travail. On peut permettre à d'autres élèves de revoir quelque chose qui n'a pas été compris en classe, une petite capsule vidéo, une correction qui n'a pas été prise en note parce que ça a sonné et n'ont pas eu le temps. Ils vont pouvoir retrouver la ressource. Et puis, pour cette année, on avait aussi quelques élèves qui restaient un peu confinés chez eux, une dizaine de jours parce qu'un cas contact dans la famille. Eh bien, ces élèves-là ne sont pas restés inactifs puisqu'ils pouvaient suivre à distance. Une petite capture d'écran ici avec deux endroits où vous trouvez le cahier de texte des élèves où on voit bien que maintenant j'ai intégré dans mes pratiques et j'ai orienté les élèves vers l'usage de Moodle. Ça ne s'est pas fait en deux jours, il m'a fallu 3 à 4 mois pour être sûr que tous mes élèves savaient rentrer dans le cours et savaient y faire quelque chose. Mais on y est arrivé. Vous avez en haut de l'écran un ensemble de barres de progression qui me permet à moi, je vous le disais tout à l'heure, de voir qui a fait quelque chose ou qui n'a pas fait. L'élève aussi a accès à sa barre de progression personnelle. Et ça, ils ont commencé à le comprendre et c'est un vrai atout pour eux pour progresser dans le cours. Et puis, vous avez des notes en bas, tout simplement. Donc, ça, c'est le point où j'en suis arrivée là cette année. Et puis, pour voir les perspectives, les perspectives, elles sont finalement pas si lointaines que ça. Elles sont actuelles, puisqu'on est cette semaine en cours, en hybridation. Mais franchement, par rapport à l'année dernière, je sais maintenant que mes élèves savent l'utiliser. Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, maintenant, je vais me projeter un petit peu plus loin. Je vais continuer à utiliser cet outil dans mes pratiques quotidiennes avec maintenant la prise du temps nécessaire pour construire
plus d'activités encore adaptées au profil de mes élèves. Vous avez ici, par exemple, la possibilité de donner accès à une activité en fonction du fait que l'élève a eu telle ou telle note à l'activité précédente. Et du coup, vous pouvez vraiment différencier et vous adapter aux élèves. Pour terminer, j'ai moyen d'aller plus loin avec d'autres élèves. C'est ce que j'appelle favoriser l'excellence. Des choses que je n'ai pas le temps de faire en classe, eh bien, on va pouvoir les pousser un petit peu à la maison pour aller plus loin. Et puis, tout en bas, vous avez un petit exercice qui est très adapté pour les Ulysse. On peut vraiment trouver de tous les niveaux dans ces cours Moodle parce qu'on les crée nous-mêmes. Et vraiment, je vais continuer avec ça parce que j'ai trouvé que c'était c'est une belle évolution dans nos pratiques. Il y a une question dans le chat qui te demandait à savoir si tu utilises encore ton manuel numérique. Je n'ai jamais eu de manuel numérique. Voilà, pour faire simple, parce que j'ai une discipline où on s'appuie beaucoup sur le réel. Et quand je fais un cours sur le raisin et les fermentations, puisque je suis en Champagne, j'apporte du matériel et ça, c'est pas dans les manuels, parce que la région veut qu'on fasse des choses assez spécifiques. Je n'ai pas de manuel. Les élèves n'ont pas de manuel non plus chez eux. Voilà. Ni manuel physique. Ni numérique, ni papier. Non. On travaille qu'avec le cahier. Enfin, jusqu'avant, c'était avec le cahier. Et maintenant, on a ce complément qui, pour moi, est une richesse. Et puis, c'est sans limite, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. C'est très intéressant, d'ailleurs, cette dernière question-là. Parce que si on revient à la description de l'écosystème tout à l'heure, notamment au lycée, les élèves ont bien maintenant leur manuel sous forme dématérialisée, donc ils sont numériques. Et la question qui se pose, c'est justement le rapport, le ratio entre cours produits et déposés sur Moodle et recours à ces manuels numériques. Comme on est encore au début de ce projet, les données qu'on va pouvoir exploiter dans l'avenir vont vraiment être très intéressantes à ce niveau-là. Merci. Je crois qu'on enchaîne ensuite avec Bénédicte, justement, pour un témoignage, cette fois-ci niveau lycée, de manière à élargir le spectre. Voilà, on a fait un tour par le premier degré, le collège, maintenant le lycée. Si tu veux bien prendre le relais, Bénédicte. Vous voyez bien mon écran ? C'est bon. Donc, il s'agissait ici, dans ma présentation, c'est de parler de l'oral. En fait, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis enseignante de mathématiques et donc en terminale scientifique avec ses spécialités, en l'occurrence. Et donc, je me suis interrogée, j'ai commencé l'an passé et puis je continue cette année, comment essayer de travailler l'oral au quotidien pour arriver à cette épreuve bien spécifique qui est l'épreuve du grand oral. Évidemment, dans un contexte, celui de l'hybridation. J'ai voulu vous présenter trois éléments, trois exemples, un travail évolutif au quotidien avec mes élèves, tout simplement sur des contextes que tout enseignant de mathématiques connaît, et puis enseignant de n'importe quelle discipline également. On donne des exercices à faire à ses élèves, comment essayer de faire travailler l'oral au quotidien. Dans un deuxième temps, j'ai imaginé, puisqu'on était dans ce contexte d'hybridation ou même de travail à distance, comment arriver à leur faire faire des productions différentes qui les motivent, et j'ai envisagé de leur faire construire des capsules vidéo. Et enfin, puisqu'il s'agissait en fait de préparer donc les élèves au grand oral, et nous, en tant qu'équipe disciplinaire et pédagogique, il fallait travailler un petit peu ensemble. Je me suis interrogée sur quels outils j'allais pouvoir activer pour arriver à faire cette préparation dans de bonnes conditions. En ce qui concerne le premier sujet, la correction des exercices, je procède de la façon suivante. Le but étant, j'essaye que les élèves apprennent de leurs erreurs. C'est un des principes fondamentaux au niveau dans notre métier. Comment ça se passe ? En distanciel, ils le font, que ce soit en distanciel complet ou en hybridation. Ils prennent leur travail en photo, des exercices réalisés, papier, crayon, etc. Ils les prennent en photo, ils les déposent sur une plateforme dont je vais vous parler. Puis moi, en tant qu'enseignant, je les sélectionne. Pour arriver en présentiel ou lors d'une classe virtuelle,
à vidéoprojeter ses productions et donc demander à l'élève d'analyser, d'expliquer ses productions. Et là, c'est à ce moment-là qu'on fait travailler l'oral, puisque je demande à l'aide d'une production d'un camarade d'essayer de justifier donc pourquoi cette production est valable, pourquoi elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait travailler pour que la production soit de meilleure qualité. Les outils que je mets en œuvre, ben, comme ma précédente collègue, évidemment, c'est Moodle avec le principe de l'activité devoir. Les élèves mettent leurs photos sur cette activité devoir. Ils sont très habitués à travailler ça puisque j'impose ce travail au quotidien 3 fois par semaine. Ah oui, hein, c'est un groupe de spécialité maths, donc le travail hebdomadaire est assez conséquent. Ils déposent leurs photos 3 fois par semaine dans l'espace devoir pour arriver donc petit à petit à avoir un retour sur cette production de l'activité devoir. Et de cette façon-là, j'ai un aller-retour, un feedback sur chacun de leurs dépôts où je leur propose une évaluation qui est plutôt formatif. Ce dépôt est nécessairement associé donc à une barre de progression, comme Hélène le montrait, pour arriver en deuxième temps en présentiel, à arriver à donc à noter les productions sur le TBI et à les verbaliser. Dans un deuxième temps, il s'agit de travail autour de devoirs maison. Quelle est ma commande au niveau des devoirs maison? Ma commande est la suivante. Il s'agit d'un travail que je mets en place sur toute l'année scolaire autour de devoirs maison. Je vous l'ai dit, dans un premier temps, ces devoirs maison sont sous la forme d'affirmations mathématiques. Ces affirmations mathématiques doivent être justifiées. Dans un deuxième temps, les devoirs maison sont sous la forme de problématiques autour de la démonstration par récurrence ou encore autour, ben pourquoi pas, de l'utilisation des suites en sciences économie. Ils proposent une production à partir, donc à l'aide d'un oral. Ils réalisent leur vidéo de 2-3 minutes et c'est dans un deuxième temps qu'ils devront eux-mêmes élaborer la problématique. En troisième temps. En ce qui concerne la forme de ce que je peux demander de produire à mes élèves, cette forme a également évolué au cours du temps. Je vous explique de la façon dont j'ai voulu travailler. Dans un premier temps, ils étaient très alertes quant au fait de produire des écrits. Donc, vous voyez en haut à droite, à l'aide d'un écrit, ils devaient expliciter verbalement, donc oralement, ce qu'ils avaient voulu mettre en œuvre. En produisant ce type de vidéo, ils se sont rendus compte, dans un deuxième temps, quand je leur ai demandé de, cette fois-ci, enlever l'écrit et de me fournir un fichier audio, ils se sont rendus compte que ces productions telles qu'ils me les faisaient jusqu'à présent n'avaient plus de sens quand ils travaillaient rien qu'avec un fichier audio. C'est pour ça qu'ils ont fait évoluer leur production pour tenir compte de ces contraintes bien spécifiques pour arriver dans un troisième temps à se filmer sans notes et sans support dans les conditions du grand oral. Les outils que l'on a mis en œuvre sont, comme vous l'avez dit, évolutifs puisqu'on travaille sur des principes de vidéo. Donc, les élèves ont parfois des vidéos assez lourdes. Et donc, puisque ces vidéos sont assez lourdes, j'ai dû faire évoluer mes outils et je suis passée, entre autres, par les apps éducation. Et puis, quand les apps éducation ont disparu, je suis passée par FileSender. Je les accompagne en présentiel ou en distanciel selon les moments, évidemment pour les accompagner dans le contenu mathématique et également pour aussi les accompagner sur l'utilisation de ces outils qui sont bien spécifiques. Je me suis interrogée sur comment évaluer ces productions.
Cette évaluation, donc, elle s'est faite, comme ma camarade précédente, à l'aide d'un outil de Moodle qui s'appelle l'outil feedback. Cet outil feedback donne la possibilité à l'élève de s'auto-évaluer lorsqu'il a déposé sa vidéo. Et donc, il adapte petit à petit son discours, sa posture, son comportement vis-à-vis de cette production, puisqu'il arrive à la visualiser et à la recommencer comme il le désire. Il est évident, et c'est incontournable, que dans ce travail, certes, c'est un travail de préparation que de passer par ce numérique. Il est évident qu'on est obligé à tout moment et très régulièrement de repasser par du présentiel parce que il s'agit de prestations orales qui sont évidemment qui demandent un autre sens quand on subit le regard des autres, évidemment, en présentiel. Donc, le présentiel est évidemment un nécessaire. Dernière étape de ma présentation, évidemment, je me suis interrogée sur comment en équipe pédagogique arriver à suivre ce travail à distance, en présence. Nous avons fait le choix de demander aux élèves de constituer un cahier de suivi individuel. Ce cahier de suivi individuel, lui, par contre, est déposé plutôt dans un espace qui est bien particulier dans les ENT, qui sont les espaces classes. L'élève donc dépose son cahier de suivi dans cet espace classe. Ce cahier de suivi, c'est un document collaboratif et à tout moment, l'élève peut le compléter et le professeur peut le suivre. Il y a un autre espace dans ces dossiers partagés de l'ENT qui est un espace qui est consacré uniquement aux enseignants. Et les enseignants, lorsqu'ils ont consulté donc, le cahier de suivi d'un élève, ils peuvent regrouper l'ensemble du suivi de chaque élève sur cet outil qui serait plutôt sous forme d'un tableur et qui est également collaboratif. Voilà, on a pu mettre en œuvre ces outils qui sont évidemment en cours de travail, puisque cette construction se fait petit à petit. Et donc, à ce moment de l'année, notre travail, évidemment, n'est pas finalisé. Et nous espérons que, bien que le contexte sanitaire ne soit pas celui auquel on pouvait s'attendre, qu'on va pouvoir finaliser ce travail à l'aide de l'épreuve du grand oral que nous attendons. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation. J'arrête mon partage. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Tout cela est assez frustrant, parce qu'en termes de timing, le temps passe vite. Je vais donner la parole à Sylvain, parce que je crois qu'Ali a dû nous quitter un instant pour prendre un appel. En tout cas, pour nos amis de la MLF, sachez qu'on restera évidemment en contact avec vous. Si vous avez des questions après coup, après la présentation, on est déjà en contact pour notamment le concours du Team Challenge qu'on mène de façon coopérative. Donc, si après coup, il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. On laissera nos coordonnées dans le chat. Et puis, évidemment, là, on peut également répondre à des questions dans le chat. Et puis, j'espère qu'on aura le temps d'un échange de vive voix, peut-être en toute fin de parcours. Sylvain, je te laisse la parole. Alors, je vais essayer d'aller un peu rapidement sur certains aspects qui ont été évoqués. Donc, je suis enseignant d'histoire-géographie. Donc, je vais revenir sur les choix que j'ai faits au moment du premier confinement et sur le fonctionnement type que j'ai mis en place avec mes élèves au moment du premier confinement. On essaiera de faire un bilan et puis on essaiera de voir un peu les conséquences que ça a eu sur ma pratique de classe actuelle depuis la rentrée de septembre. Alors, au moment du premier confinement, je me suis retrouvé confronté à différentes problématiques. En fait, lorsque est venu le moment de choisir les outils, en fait, j'avais quatre axes de réflexion, quatre priorités. D'abord, je voulais des outils que j'utilise déjà, puisqu'il s'agissait de zapper un peu ce temps d'apprentissage des outils, des outils que j'utilisais déjà en classe, puisque j'utilisais déjà énormément le numérique, des outils qui soient relativement peu nombreux, qui restent dans le cadre de confiance, donc dans l'environnement numérique de travail, de façon à ce que l'élève soit identifié, que je puisse vraiment pointer
et voir son évolution et suivre au mieux son travail. Donc, au final, c'est un peu comme Hélène, hein, l'outil qui s'est imposé par défaut, c'était l'outil Moodle parce qu'il répondait d'une certaine manière à ce cahier des charges. Alors, très rapidement, il a fallu fixer un cadre et surtout des points de repère. Hein, il a fallu mettre en place un certain nombre d'éléments sur cette plateforme, en rapport avec la plateforme, de façon à ce que l'élève sache au mieux ce que je lui demande, où aller chercher, comment rendre, etc. Hein, donc, j'ai fixé un cadre sous la forme d'une foire aux questions, hein, qui était présente dans le cours Moodle, et puis qui a été envoyée aux élèves ainsi qu'à leurs parents via la messagerie de l'ENT. Comme ça, on contractualisait un tout petit peu la relation. Et puis, au niveau du fonctionnement du cours, j'ai essayé de mettre en place dès le départ une charte graphique qui donne des repères visuels à l'élève, avec une division comme Hélène, hein, par semaine de travail, avec à chaque fois les dates de travail clairement identifiées. Et puis, un travail divisé en étapes avec des petits repères visuels, une consigne qui se présente toujours de la même manière, et puis des petites pastilles, hein, qui se remplissent au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure du travail, hein, de façon à rendre la progression visible. Hein, j'avais mis en place, alors les techniciens de Moodle appellent ça du suivi d'achèvement, hein, il y avait simplement une petite barre, hein, qui toute bleue au départ et puis qui passe au vert au fur et à mesure que l'on avance dans les activités. Donc moi, ça me permettait de bien suivre les élèves, et l'élève, ça lui permettait aussi de bien voir déjà qu'il avançait tout d'abord, et ça lui permettait aussi de vérifier qu'il n'avait pas oublié certaines activités. Alors, comment se constituer, s'organiser une semaine type de travail pour les élèves dans Moodle? Alors, globalement, on retrouve souvent le même type d'activité, parfois organisé d'une façon légèrement différente. Souvent, la semaine commençait par une capsule vidéo. Hein. Je réalisais systématiquement chaque semaine une capsule vidéo de démarrage. L'objectif de cette capsule vidéo, en fait, était multiple. Hein. Ça permettait déjà de mettre l'élève au travail et de retrouver du rituel. Hein, on a manqué parfois un peu de rituel de classe durant la période de confinement, donc ça permettait de recréer un peu d'habitude, hein, ça permettait de recréer du lien personnel et puis de revenir sur les notions importantes, tout simplement. Cette vidéo, je l'ai hébergée sur l'instance Peertube qui a été proposée par l'Académie. Hein. Donc ça, c'était systématiquement l'entrée en matière de la semaine. Ensuite, bien entendu, hein, le cahier, ça restait quelque chose de fondamental pour moi. Hein, donc il y avait des traces écrites à récupérer et puis à recopier. Tout ça était disponible toujours sur Moodle. Troisième type d'activité, eh bien, les activités de test, hein, histoire de vérifier que l'élève a bien la compréhension des notions, histoire aussi, hein, qu'il ait ce travail de répétition de façon à ancrer les données. Je suis enseignant d'histoire, forcément, les dates, ça demande à être à répéter. Là, on est sur une leçon qui est en rapport avec la guerre froide. Bon, on va vérifier qu'il maîtrise bien les notions bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, et qu'il a bien compris, hein, ce qui se jouait de part et d'autre. Donc, ces tests étaient aussi un moment important. Hein, simplement pour contrôler l'élève et puis pour qu'il remette en œuvre l'ensemble des connaissances qu'il avait acquises. Une fois par semaine, il y avait un gros exercice d'une certaine manière, un exercice à rendre avec un espace de dépôt sur Moodle. Parfois, le travail se faisait par niveau de compétence. Hein, l'élève choisissait son niveau de compétence et en fonction du niveau de compétence choisi, il n'avait accès qu'au contenu qui correspondait. Donc, il faisait son travail, le rendait. Pour chaque travail rendu, il y avait un contrat d'objectif. On appelle ça sur Moodle une grille d'évaluation, c'est-à-dire qu'il avait un tableau qui s'affichait avec les différents éléments qui étaient pris en compte. Et puis, le niveau d'exigence lui permettait de savoir déjà dès le départ vers quoi il fallait essayer de tendre en termes de production. J'essayais, dans la mesure du possible, de varier, hein, le type de production demandée. Alors, ça allait de la trace écrite, on va dire un peu lambda, faite soit à la main, soit sur un fichier Word. Ça passait aussi par le croquis, le schéma, voire même la petite réalisation de petites capsules vidéo. Certains élèves m'ont rendu des capsules vidéo, notamment sur la question de la guerre froide et sur tout ce qui se joue à Berlin au moment de la guerre froide. Donc l'objectif, c'était vraiment essayer de les mettre en activité et faire en sorte qu'ils me rendent un travail
travail et qu'il y ait aussi en même temps un retour, un feedback de l'enseignant pour qu'il s'aperçoive que ça change quelque chose. Pour ces travaux, lorsqu'il y avait comme ça ce genre de travail, je débloquais systématiquement sur une heure un chat dans Moodle. Hein, ça permettait aux élèves qui étaient en difficulté, qui avaient des questions, qui n'étaient pas très très sûrs, de se connecter, d'être directement en contact avec l'enseignant et puis pouvoir avoir la réponse à toutes leurs interrogations. En principe, la semaine se terminait par une classe virtuelle. Alors, je ne fais pas cours, je n'ai jamais fait cours en classe virtuelle et actuellement, je ne fais pas cours en classe virtuelle. La classe virtuelle, elle me servait, j'avais eu les travaux des élèves, donc ça me permettait de passer en revue les erreurs types qui avaient été faites dans les travaux. Donc, la classe virtuelle, c'est tout d'abord un lieu où on corrige, c'est un lieu aussi où on échange énormément. Hein, ils posent leurs questions, il y avait aussi des questionnaires en direct, hein, de façon à avoir vraiment une interaction directe avec les élèves. Et la classe virtuelle était surtout là, je dirais, pour rassurer et puis encourager les élèves. Alors, voilà un peu le déroulement d'une semaine type. Alors, au niveau du bilan, et là, on va commencer à aborder toute la suite à ces pratiques qui ont été mises en place durant le confinement. Bon, il y a des éléments négatifs. Hein. J'ai des élèves, quelques élèves qui ont décroché. Alors, je dirais pas tant que ça. Ça dépend de la classe. En principe, j'ai 80 à 70% des élèves qui sont restés très, très actifs durant la période du confinement et qui ont vraiment très, très bien travaillé. Et puis, il ne faut pas ignorer non plus qu'il y a certains élèves qui ont mieux réussi durant le confinement et qui faisaient des choses beaucoup plus abouties qu'en classe. Bien entendu, enseigner à distance, c'est maintenir le lien humain, ce n'est pas forcément évident. Hein. C'est pour ça que j'ai multiplié les chats, les visios, les capsules, histoire qu'il voit l'enseignant. Il faut vraiment que l'enseignant soit incarné pour que l'élève s'engage. Bon, tout ça, ça a demandé énormément de travail. Il y a une grosse charge de travail et puis parfois des petites difficultés techniques, alors surtout du côté des élèves. Alors là, ce sont pour les points négatifs, mais il y a des gros points positifs. Tout d'abord, tout ce qu'on a pu faire durant le confinement et tout ce que j'ai pu faire, ça m'a permis de réinterroger un peu mes pratiques, mes situations de classe, mes façons de faire. Et lorsque les élèves sont revenus, en fait, ils étaient en demande de liberté et d'autonomie par rapport à la matière et par rapport à leur travail. Donc ça, c'était un élément extrêmement positif sur lequel on a souhaité s'appuyer sur l'établissement. Et puis bon, il y a certains outils numériques qui se sont révélés plutôt pertinents. Et c'est tout ça qui nous a amené, alors qui m'a amené moi, et puis qui nous a amené au niveau de l'établissement à justement poursuivre le travail après le confinement, dans le cadre notamment de l'école d'après. C'est une réflexion qu'on a pu mener avec des enseignants de mathématiques, une enseignante de SVT, où on souhaitait justement s'appuyer sur ce besoin de liberté dans l'apprentissage et ce besoin d'autonomie. Et on a mis en place, à l'heure actuelle, on est en train de mettre en place, encore en cours, hein, sur le niveau de troisième, en fait un enseignement qui s'organise selon deux pôles. Si on prend le cours d'histoire-géographie, hein, il y a ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, des parcours dirigés. Ce sont les situations de classe classique, entre guillemets, hein, d'une certaine manière, avec toute la variété que ça peut impliquer. Et de l'autre côté, il y a des parcours libres. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça signifie que, je vais prendre par exemple le chapitre du Front populaire en histoire, j'y consacre à peu près 3 heures. Donc, je prépare une plateforme, sur la plateforme d'apprentissage Moodle, l'ensemble de mes contenus. Je mets tout à disposition des élèves et eh bien aux élèves de se mettre en travail de façon autonome pour faire les différentes activités. Alors, ce sont des activités qui visent à coopérer, à rendre actif, bien entendu. Et dans ce cas-là, c'est à l'élève de gérer son travail, sa situation de travail, son avancement et à respecter la deadline qui est fixée par l'enseignant. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, on a une organisation qui est extrêmement souple. Bon, l'élève suit bien le parcours qui est fixé par l'enseignant, bien entendu, avec parfois des contenus en plus pour ceux qui veulent aller plus loin ou alors des supports d'étayage. Mais mis à part ça, eh bien, l'élève a le choix de travailler tout seul, de travailler en groupe. Ça pose absolument aucun souci. Il a le choix de rester avec moi en classe pour obtenir mon appui ou alors s'il souhaite aller au CDI parce qu'il trouve que le cadre de travail est plus plaisant. Je dirais pourquoi pas, c'est important hein, qu'il soit dans une situation de travail qui soit agréable. On a demandé aussi au principal d'essayer de nous libérer systématiquement une salle de classe proche hein, de façon à ce que les élèves puissent se déplacer, quitter la salle de classe et puis travailler véritablement tout seul en autonomie.
Et bien entendu, il y a aussi cette idée de réfléchir un tout petit peu. Alors là, on en est véritablement qu'au début. L'élève travaille en groupe ou pas, de façon autonome ou pas. Et à la rigueur, je dirais que d'une certaine manière, il va réorganiser l'espace de la salle de classe en fonction de la situation qui, à lui, lui semble la plus adéquate. Voilà, c'est ce vers quoi on essaie de tendre petit à petit. Alors, c'est un peu perturbé par le contexte Covid et puis le confinement, mais je dirais que moi, à l'heure actuelle, mes élèves, ils savent comment on fonctionne. En fait, on est reparti sur la même logique que les parcours libres. Donc, lundi, ils sont connectés, enfin, mardi en l'occurrence, ils sont connectés à la plateforme Moodle, ils savaient où aller chercher, etc. Il n'y a pas eu d'accompagnement à l'autonomie, parce que cette autonomie, depuis début de l'année, on est en train de la construire. Alors, l'idée, pour le point de vue de la CARDI, donc nous sommes la cellule académique qui est chargée de repérer, d'accompagner et de valoriser les innovations. Donc, vous imaginez bien qu'avec le contexte de pandémie, on s'est vraiment dit qu'il y avait là une occasion incomparable de pouvoir repérer justement cette innovation. Et donc, le choix que nous avons fait à Reims, ce qui n'est pas le choix qu'ont fait les CARDI d'autres académies, ça a été de se mettre en retrait et d'observer ce qui se passait. L'idée était de voir quelles étaient les pratiques qui émergeaient, qui étaient confortées, et de repérer les points de bascule qui allaient faire que de quelques innovateurs, on allait passer à ce qu'on appelle une majorité précoce, puis aller vers l'intégration de l'innovation qui un jour deviendra pratique courante, voire majoritaire. L'idée était de comprendre les choix, d'identifier les besoins, d'évaluer les impacts des pratiques engagées. Donc, nous avons eu cette position d'observateur et puis nous avons profité, bien évidemment, de l'enquête dont vous a parlé M. Wassenberg au départ, du groupe de travail académique. Et d'après cette enquête, nous avons pu distinguer qu'est-ce que l'école à distance avait permis de faire mieux, ce qu'elle n'avait pas permis, puisque valoriser l'innovation, c'est aussi ne pas se voiler la face et montrer ce qui ne fonctionne pas. Comment ces découvertes allaient pouvoir alimenter la réflexion pour l'école d'après. Donc, il en a été question tout à l'heure, nous avons aussi une mission d'impulsion et donc un appel à projet a été lancé dans le cadre, faisant suite à l'enquête dont on vous a parlé. L'idée étant d'étoffer le corpus d'initiatives, de rechercher des projets peut-être plus collectifs et de poursuivre, sous ce label d'innovation, voire d'expérimentation, une ou plusieurs actions mises en œuvre au cours de la période de continuité. Donc, l'idée était de partager ensuite, dans un souci de transférabilité qui est toujours celui de la CARDI, c'est-à-dire de valoriser des projets qui pourront être appliqués ailleurs, donc à l'identique ou en les modifiant, donc dans l'académie ou nationalement. Donc, dans l'appel à projet, nous avons retenu parmi les propositions qui nous ont été faites, deux projets dont vous avez pu avoir connaissance pour le premier hier. Donc, le projet « Apprendre les sciences dans un lycée augmenté » qui a été présenté hier après-midi. Donc, je pense que vous pourrez le retrouver dans les captations qui sont faites des sessions. Et puis, le projet dont a parlé Sylvain, du Collège de la Retourne. Ce parcours dirigé et parcours libre, parcours dirigé, qui concerne donc des classes de 3e et qui s'appuie sur les leviers identifiés pendant le confinement et les réponses au questionnaire dont il était question dans l'enquête tout à l'heure. Donc, un besoin d'autonomie, une nécessité de développer des compétences, une part importante de besoin de relations humaines que nous avons tous ressenti, de confiance, de sécurisation entre les différents acteurs.
Donc, ces élèves hein, se voient attribuer une salle de classe qu'ils peuvent faire vivre, qu'ils peuvent aménager, personnaliser, et donc des enseignants qui conçoivent leur progression, comme nous l'a dit Sylvain, avec une partie des apprentissages en parcours libre et une partie un peu plus importante en parcours dirigé. Donc, ces projets avaient pour nous ceux de critères, hein, donc les critères de projets innovants, des projets portés par une équipe, donc nous accompagnons exceptionnellement des projets individuels, des projets qui sont bien évidemment cohérents avec le projet académique et les orientations nationales, des actions pédagogiques caractérisées par une attention soutenue aux élèves pour favoriser la réussite de tous. On part d'un diagnostic, des difficultés identifiées ou des problématiques sur lesquelles on veut agir, dans la pertinence de dispositifs pour répondre à ces problématiques. Donc, ces projets, on réfléchit ou nous allons les accompagner pour se faire sur des indicateurs donc, de suivi et de réussite. Et puis, ce qu'on recherche aussi, c'est qu'il y ait une faisabilité financière, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce que par souci de transférabilité, pour que le projet puisse vivre par lui-même de façon à être réinvesti et être donc ailleurs, sans moyens supplémentaires. Dans la mesure de possible, on recherche aussi un développement professionnel possible pour les équipes et nos collègues qui sont intervenus ce matin ont bien évidemment chacun insisté sur cette partie de progression par eux-mêmes et non seulement pour les élèves. Donc, je l'ai repris, hein, vous voyez, après l'ère du choix, pour reprendre donc les thématiques de nos deux journées, au niveau de l'art du choix maintenant, comment est-ce qu'on allait opérer ce choix et vers quoi est-ce qu'on allait se tourner pour capitaliser, diffuser, valoriser ? Comment le faire aussi ? Donc, du travail de la CARDI, c'est de mettre en réseau des projets sur des thématiques communes, de façon à capitaliser ce qui se fait, diffuser, valoriser. Je vais vous montrer avec la diapositive suivante comment est-ce qu'on peut le faire, et donc faire en sorte de mutualiser. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire ce matin avec vous aussi. Et donc, pourquoi pas former, hein, c'est aussi une des possibilités, donc une des missions de la CARDI. Et on a parlé aussi déjà de la volonté des enseignants de se former, notamment aux nouveaux outils qui avaient été utilisés durant cette période. Alors, quelles sont les possibilités? Comment est-ce que nous valorisons les différents projets et notamment ceux qui ont été présentés comme celui du Collège de la Retourne. Donc, nous avons des outils académiques, donc un portail pédagogique qui est accessible. Hein, donc, vous pourrez avoir accès par l'onglet « Les actions innovantes » à différentes actions qui sont en cours dans l'Académie de Reims, un compte Twitter, des journées académiques de l'innovation, et donc lors de ces journées, le collège de la Retourne pourra pourra présenter son projet, accompagné du regard d'expert d'un chercheur. Et au niveau ensuite national, nous allons avoir donc une banque que je vous invite également à consulter, qui est la banque Innovatech, qui est une banque de recueil de projets innovants remarqués dans les différentes académies. Et donc, vous retrouverez, alors je vais tenter de repartager, voilà, donc vous avez une fiche pour le projet parcours dirigé et parcours libre. Donc ça, c'est la page, pardon, de notre site, voilà. Voilà. Et puis donc il y a aussi la journée nationale de l'innovation donc, qui a eu lieu avant-hier, et donc là aussi il y a des captations
et vous pouvez aussi retrouver les différentes interventions, les différentes présentations de projets en ligne, que ce soit celles de cette année ou des années précédentes. Donc, toujours dans cette optique d'art du choix, quel est le bilan qu'on peut dresser et que requestionnent ces différents projets ? Donc, du point de vue de la Gardie, ce qu'on va retenir, c'est aussi ce qui a été retenu au niveau de l'enquête, le niveau de maîtrise des outils, le NT, Moodle, dont on a parlé, avec donc des questionnements au niveau de la formation des enseignants, des difficultés d'ordre matériel des uns et des autres, la place de l'outil numérique et son intégration didactique. Donc, quelle est la place, par exemple, de la classe virtuelle ? Est-ce qu'on s'en sert pour dispenser des savoirs ou plutôt pour accompagner, expliciter et donner du feedback ? On a re-questionné la posture enseignante, la coopération, l'éducation à l'autonomie des élèves, donc avec des idées de tutorat, d'aide par les pairs, de plans de travail, dont parlait notamment Hélène. Questionnement de la motivation. Donc, quelle réponse est-ce qu'on peut apporter à l'essoufflement, la différenciation, le travail d'explicitation. Beaucoup d'interrogations aussi sur la forme scolaire, avec une organisation différente du temps et de l'espace, notamment à la retourne. On y voit aussi l'intégration des apports des sciences cognitives, mémorisation à rythme expansé, feedback immédiat avec l'aide de l'intelligence artificielle, recueil des représentations, vérification de la compréhension, notamment des consignes, progression spiralaire. On re-questionne également l'évaluation ou auto-évaluation au service des apprentissages, le lien école-famille, l'attention portée aux conditions de travail à la maison. Donc, vous voyez qu'on est là dans des questions qui dépassent largement le contexte sanitaire et pandémique actuel, et qu'on a là toutes les grandes questions de l'école qui sont, dont s'emparent les acteurs de l'innovation, toutes les équipes en réflexion par rapport à tout ça. Donc, toutes ces questions, j'ai eu envie de transformer un petit peu la troisième entrée qui était donnée par la MLF Monde, qui était l'heure du choix, pour dire nous sommes sûrement dans l'heure du choix, avec donc cette question que nous nous posons tous, quelle école pour après, qu'est-ce qu'on veut faire de cette école, qui peut la transformer, comment. Donc là, je vous renverrai vraiment en équipe, quels sont les leviers que vous avez identifié pour pouvoir vous-même innover. Dans vos réseaux, comme donc en académie, l'innovation relève du pilotage pédagogique. Donc, vous n'hésitez pas à interroger et à travailler avec vos inspecteurs, vos IEN en résidence, les conseillers pédagogiques, les personnels de direction qui ont une place très importante pour animer toute cette réflexion et la guider. Dans Innovatech, il y a justement un parcours guide qui est en cours de finalisation. J'ai interrogé donc le ministère hier pour savoir si vous aviez accès à ce parcours. Je n'ai pas eu la réponse, mais donc si je l'ai, on pourra, comme le disait Magali, rester en contact avec vous pour vous la donner. Donc, emparez-vous de tous ces sujets, avec le numérique ou pas. Donc, pour vous donner une petite idée et faire une ouverture peut-être un petit peu en contradiction avec le thème de la journée, vous avez donc sur la dernière diapo la répartition des thématiques des projets que nous suivons actuellement à la Gardie de Reims. Donc, sur 46 projets, vous voyez que la part la plus importante s'attache à réfléchir au bien-être à l'école et au plaisir d'apprendre, puis à la prise en compte des élèves à besoins particuliers, aux sciences cognitives en troisième position, l'aménagement des espaces scolaires avec
Donc, le numérique ou pas, hein, notamment, je pense à un projet phare avec l'utilisation du BIOD, hein, en utilisant le propre matériel des élèves. Donc, finalement, hein, le numérique est une entrée parmi d'autres et on s'aperçoit que quel que soit le point d'entrée, de toute façon, on arrivera à l'ensemble, à réinterroger l'ensemble de ces questions-là pour faire en sorte que nos élèves soient le plus motivés possible et réussissent le mieux possible. Merci beaucoup, Maryse. C'était top. Merci à tous les collègues, à tous les intervenants. Juste un mot peut-être pour réagir sur ton intervention pour tous les participants. Il faut savoir que tous les projets cités, on voit bien qu'il y a des adhérences entre les projets portés par la CARDI et les projets portés par la DAN. On ajoute un acteur supplémentaire pour ce qui nous concerne, sur les collectivités territoriales. Et la DAN gère tous les ans avec les collectivités des appels à projets qui justement viennent alimenter l'innovation. La CARDI étant en veille, donc en même temps, vient se greffer sur ces projets d'innovation-là. Et les perspectives qu'on peut avoir, en tout cas nous concernant, c'est d'une convergence des actions entre DAN et CARDI. Et d'ailleurs, on le fait dans notre académie depuis un moment maintenant. Mais c'est tout naturellement que les actions doivent être intégrées très en amont avec l'ensemble des partenaires. Et je pense notamment aux collectivités territoriales, de manière à ne pas se bloquer la faisabilité, notamment en matière financière. Mais je crois savoir que concernant votre réseau, vous avez moins de difficultés à ce niveau-là, puisque vous avez certainement plus de marge de manœuvre et plus d'autonomie pour financer vos projets. Donc, je vais ajouter sans allonger inutilement. Donc, on a beaucoup parlé des élèves ce matin. Je voulais attirer l'attention sur le fait que est-ce qu'on parle d'un élève type ou est-ce qu'on parle de la diversité des élèves. Donc voilà, j'attire l'attention de chacun à toujours se poser cette question-là. Et puis, par rapport au choix, je voulais juste dire quelque chose, c'est qu'il faut sûrement revenir au fondement de notre école et les décliner, les opérationnaliser différemment. Et ça peut questionner des choses qu'on ne questionne pas habituellement, comme par exemple la notion de classe, la notion de progression pédagogique, les lieux, les temps. Et en fait, ces contraintes qui nous ont conduit à mettre en place une continuité pédagogique vont peut-être accélérer le questionnement et des choses qu'on considère comme finalement très stabilisées, comme par exemple regrouper les élèves dans des classes, ou comme considérer finalement qu'il y a une progression pédagogique du point de vue de qui mérite d'être questionnée. Alors juste un tout petit zoom. Quand j'ai dit est-ce qu'on parle d'un élève type ou des élèves dans leur diversité, on n'a pas parlé des parents ce matin et c'est peut-être implicite et il faudrait peut-être chercher justement à sortir cet implicite. On attend des choses des parents et ces parents ne peuvent pas toujours apporter ce que l'on attendrait et c'est pas un reproche, hein. Donc dans ce cas il faut imaginer des solutions. Alors j'illustre et je m'arrête. Quand on a ses enfants à l'école maternelle, on les emmène dans la classe. Quand ils vont à l'école primaire, on les emmène devant l'école. Et puis après, il y a des rituels comme les transports scolaires qui les emmènent à l'école. Aller à l'école ne va pas de soi. Et lorsqu'on est à distance, il faut imaginer des solutions pour que l'élève aille à l'école le matin. Et donc, je m'arrête là-dessus parce que je ne vais pas forcément donner ces solutions. Mais en tout cas, c'est une fonction qui est nécessaire pour que l'école existe. Et qu'il faut donc prendre en charge quand on pense à un enseignement autre que celui qui est habituellement déployé dans nos écoles et nos établissements. Voilà, merci. Merci beaucoup, Francis. Merci à toutes et tous pour ces réflexions et ces projets partagés qui sont vraiment une source d'inspiration. Nous, on se réjouit en tout cas du côté de l'Académie de Reims, de la coopération avec la MLF et avec les collègues des établissements qui notamment mènent avec nous certaines actions communes, comme par exemple le Team Challenge. Mais on pourrait imaginer sur la base de tous ces projets, peut-être d'autres projets de coopération qui pourraient naître dans le cadre de partenariats qu'on pourrait mettre en place avec les établissements. Si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas, on reste, comme je vous le disais, à votre écoute par mail. Moi, je veux bien me faire le réceptacle de toutes les questions qui pourraient encore se poser à vous après coup. Et je voudrais peut-être laisser le mot de la fin à Monsieur Wassenberg.
dont les uns et les autres ont fait écho largement aux propos. Monsieur Watzenberg, si vous m'entendez, à vous la parole. Je vous entends, mais je ne sais pas ce que je pourrais ajouter à tout ce qui vient d'être dit, si ce n'est évidemment profiter aussi de ces quelques secondes de micro pour remercier vraiment chacun des intervenants et chacun des participants aussi pour les questions, les remarques sur le chat. C'est avec une certaine émotion que je prends acte aussi de la manière dont les travaux collectifs que nous avons menés à un moment qui était réellement un moment d'incertitude ont été repris, re-questionnés et trouvent des prolongements. Et je ne peux m'empêcher effectivement à chaque fois de mettre à la place de l'élève qui a l'immense chance de bénéficier des différentes opérations qui ont été décrites et de toutes les autres, qui évidemment que nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui de présenter, mais qui existent. Et pour répondre à Francis sur la place de la famille, il est évident que cette place est essentielle, que nous l'avons bien intégrée dans nos démarches, les uns et les autres, mais je pense que nous pouvons considérer aussi que le meilleur vecteur entre l'école et la famille, dès la maternelle, c'est l'élève et sa capacité à raconter ce qui se passe à l'école. Bon courage à toutes et à tous et bon après-midi à chacune et chacun d'entre vous. J'étais ravi d'être avec vous.